C'est Pierre de Coubertin qui a inventé le pentathlon pour les Jeux Olympiques. Et en fait, c'était vraiment l'idée du militaire parfait. Il fallait qu'il soit capable de courir, de manier une épée, de monter à cheval, de tirer au pistolet et de nager. Courir, c'est un plaisir. Quand j'y vais, à chaque fois, je suis contente d'y aller. On est seul avec nous-mêmes, on s'entend respirer, on voit tout ce qui se passe autour. La natation, c'est moins un plaisir. C'est plus une obligation sur les 5 épreuves, on va dire. Alors l'escrime, j'adore ça. C'est vraiment top, enfin, je m'amuse. C'est vraiment un jeu face à l'adversaire, donc... C'est la seule épreuve dans le pentathlon où je rentre pas toute seule dans l'action, quoi. On est deux et c'est pas seulement ce que je vais faire qui va me permettre de réussir ou non l'épreuve. Tir au pistolet, c'est le moment où il faut être à 100% connecté avec soi-même. C'est vraiment de se focaliser sur sa respiration, son geste, et rester dans l'automatisation, rester dans l'instant présent. C'est le plus important. Alors le cheval, on a un rapport avec l'animal, mais un rapport assez spécial, c'est qu'en fait on le connaît pas au départ. Donc c'est vraiment un tirage au sort, c'est presque un speed dating finalement, c'est qu'on a 20 minutes, dans les 20 minutes il faut qu'on soit capable de le comprendre, qu'il nous accepte un minimum, et puis de réussir à faire le parcours avec. On a 3 mots d'ordre, c'est équilibre, impulsion, direction. L'impulsion, ça va avec l'équilibre. Et la direction, c'est à nous cette fois-ci, c'est à nous de mémoriser avant du coup le parcours. On le guide avec les jambes et avec les mains. Le fait de s'entraîner comme ça en haut niveau à 30-35 heures par semaine, ça nous construit. On est vraiment toujours face à nous-mêmes, quoi. On peut pas se mentir. Pour moi, une championne, c'est une fille certes qui est forte par les résultats, mais surtout par tout le chemin qu'elle va parcourir pour arriver jusqu'à ce résultat.